à soutenir le développement de l'industrie du film dans tous les pays du sud de la Méditerranée. Nous, l'Union européenne, on aide le sud, on aide ces pays, on aide les professionnels, mais on aide aussi le secteur public à mettre en œuvre leurs propres projets pour aider au développement du secteur. Comment vous allez encadrer ces jeunes cinéastes, futurs producteurs, futurs acteurs, futurs cinéastes en fait? Alors, dans la région, il y a déjà beaucoup d'écoles, donc on n'a pas besoin d'être encadré directement les jeunes dans leur formation initiale. Il y a beaucoup d'écoles, de bonnes écoles qui produisent des choses différentes. On aide à un secteur particulier qui n'existe pas, qui existe très peu dans la région, qui est le secteur de la production. Et là, pour ça, il y a plein de formations qui sont ouvertes, qui sont des formations pas faites par des Européens, parce que les Européens ne connaissent pas forcément toutes les la complexité, les compétences du domaine, mais faites par des professionnels de la région, qui sont même des producteurs de bon niveau, qui vont les aider à mieux comprendre les enjeux des marchés internationaux, comment, en tant que jeune producteur de la région, jeune réalisateur qui a besoin de trouver des financements pour son film, comment trouver ces financements. D'accord, donc il y a... Auprès de l'international. D'accord, il y a 6 formations. Est-ce que tous les jeunes peuvent participer à ces formations ou bien il y a des critères? Alors bien sûr, il y a des critères, comme tout ce genre de programme, puisque une fois qu'on participe, on est pris en charge, donc seuls les meilleurs participent. La question, elle est vraiment que tous les jeunes professionnels peuvent candidater, donc c'est ouvert aux jeunes professionnels, les gens qui ont une première expérience ou qui montrent qu'ils ont déjà travaillé dans des écoles, qui ont déjà étudié dans des écoles de cinéma, qui ont des projets porteurs, qui ont des projets qui intéressent les producteurs qui mettent en œuvre ces formations. En deux mots, c'est quoi le Euromed audiovisuel? C'est une question. En deux mots, Euromed audiovisuel, c'est un programme qui aide à la fois au développement économique de la région, parce que l'audiovisuel, c'est un secteur porteur d'emplois, porteur d'échanges économiques, mais c'est aussi un secteur important dans le cadre de la liberté d'expression. Faire des films, c'est s'exprimer, c'est dire des choses. Et Euromed audiovisuel, on essaye, nous, Union européenne, en tant que grands défenseurs de la liberté d'expression, de soutenir toutes les différentes formes d'expression dans les pays de la région, portées par les jeunes professionnels, quel que soit le message qu'ils ont passé.